Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer toutes les cartes à remplir. Donc comment toutes les débloquer. Vous pouvez voir que j'ai tout sauf 3, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas les avoir les 3, parce que même vous pourrez pas les avoir. Alors déjà les cartes que j'ai pas, la J04, c'est la carte palier 100. Donc quand vous êtes palier 100, vous l'avez. Je suis palier 30, donc je l'ai pas, c'est logique. K01, c'est les pièces XP dorées. Donc en gros les pièces XP quand vous prenez une voiture, mais bah il y en a pas encore dans le jeu, donc on peut pas encore la débloquer. Et la K03, c'est les pièces XP violettes, mais du coup, ben, je peux pas la débloquer parce que des pièces XP violettes, il n'y en a que 2 dans cette semaine. Donc il en faut 3 pour avoir la première carte, donc on peut pas. Du coup, voilà. Alors, première carte, c'est je s'appelle Groot. Vous devez absorber des dégâts par le bouclier en ronce de Groot. J'ai pas compris. Activez juste le bouclier et puis voilà. Pour le trouver, le bouclier de Groot, c'est dans les avions qui spawnent, il y en a 4. Et puis vous devez détruire les drones et je crois qu'ils tombent. Ensuite, Fatalis se bat seul. Vous devez infliger des dégâts avec les pouvoirs du docteur Fatalis. Ça se trouve à Pleasant Park. Il y a 2 pouvoirs. Une grosse boule qui fait 60 et la petite main qui fait 35. Enfin les gants. Ensuite, Supraluminique. Oula. Distance parcourue sur la planche de Silver Surfer. Là je vais enlever la musique et casse les oreilles. Hop. Du coup, vous devez prendre la planche de surf de Silver Surfer et puis tout simplement voler avec. Pour l'avoir, c'est pareil que Groot, dans les 4 avions qui spawnent sur la carte, aléatoirement, et puis vous cassez les drones d'Iron Man. Florissant, vous devez faire des top 10, vous connaissez dans n'importe quel mode, sauf le Fort d'Empoigne. Champion, vous devez gagner des top 1 en solo, duo, section, Fort d'Empoigne et dans un mode de jeu temporaire, il n'y en a pas encore, donc je peux pas le faire. Gloire partagée, vous devez faire un top 1 avec un ami. Si vous n'avez pas d'amis dans la vie, et ben créez un compte secondaire et puis jouez avec. À vos haches, vous devez détruire des arbres. Voilà. Collectionneur, vous devez collecter des matériaux, c'est classique. En quête des restes, vous devez manger de la nourriture. Et j'ai bien mangé parce que si vous prenez la nourriture dans votre stuff, ça marche pas. Donc vous devez la manger. Donc allez en foire d'empoigne dans la zone. Et puis voilà. Économie, vous devez être full build de tous les builds. Voilà. Full build dans une seule partie. Chasse aux drones, vous devez détruire les petits drones de Tony Stark, donc c'est aux avions qui volent, il y en a 4 comme je vous avais dit. Le gros lot, vous devez ouvrir des lamas, remplir l'armurerie, faut fouiller des boîtes de munitions, les normales ou les grosses, c'est pareil. Livraison gratuite, il faut ouvrir des loots, donc il y en a dans les games normales, dans les coffres forts, ou aussi dans quelques villes, je sais plus lesquelles, ou sinon vous allez en foire d'empoigne, c'est plus simple. Coffre fouillé, donc faut juste ouvrir des coffres. Là, c'est les coffres rares. D'ailleurs, les coffres rares, je crois qu'il y en a beaucoup moins que la saison d'avant parce que j'en trouve que dalle. Genre, j'en ai que 4, regardez, comparé aux coffres. Ensuite, en chute libre, vous devez casser un ravitaillement. Donc, le petit ballon, vous devez le détruire pendant qu'il est en l'air. Paf, vous devez infliger des dégâts aux adversaires. Classique. Bande d'insolents, vous devez tuer les acolytes de Fatalis. Il y en a pas beaucoup sur la carte, genre moins de 10, je pense. Donc, par contre, il y en a 2 devant le coffre-fort, en dessous de l'hélicoptère. Donc, ça fait 2 à chaque fois gratuit. Aucune chance, vous devez éliminer des joueurs. Armée de robots, vous devez tuer les robots de Tony Stark. Donc, c'est où il y a les 4 avions. Vous devez faire des kills au sniper, au pistolet, au lance-roquettes. Ici, vous devez faire des kills à plus de 150 mètres. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, ça passe. Ici, vous devez faire un kill avec toutes les armes, donc lance-roquettes, sniper, pompe, mitraillette, AR et pistolet. Ensuite, là, c'est des kills à l'AR, des kills à la mitraillette. Là, c'est les kills aux pompes. Ensuite, ici, vous devez réanimer des coéquipiers, donc juste quand ils sont KO normalement. Ici, c'est les réanimer, mais au van de rétablissement, donc dans le camion. Vous devez pêcher dans des coins de pêche, donc c'est les ronds. Ici, vous devez pêcher des poissons, donc dans les ronds ou pas dans les ronds, c'est pareil. Là, vous devez améliorer chaque arme. Donc, pour le premier, il faut passer une arme grise à verte, ensuite vert à bleu, bleu à violet et violet à légendaire. Donc voilà. Ensuite, ici, vous devez remplacer une arme par un équivalent. Donc, vous prenez n'importe quelle arme, elles ont presque toutes un équivalent, genre le pompe par exemple ou les AR. Ici, vous devez améliorer des armes. Donc, vous allez en foire d'empoigne, vous avez 150 de build, vous améliorez, c'est super simple. Ici, vous devez avoir une distinction d'armes. Donc, par exemple, quand vous faites plein de kills dans la tête ou voilà vous allez recevoir des petites distinctions. Et ben vous devez le faire avec chaque arme du jeu. Ici vous devez faire des kills d'affilée. Donc voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Là c'est les défis rapides.
Défi rapide, ben c'est les petits défis qu'il y a à gauche, je vous les montre après parce qu'il y en a, ils savent même pas ce que c'est les défis rapides, alors que genre c'est les défis quotidiens et genre il y en a tout le temps, c'est à l'infini. Excetzel, vous devez remplir des cartes, bah les cartes là, mais vous devez les remplir jusqu'au bout. Genre par exemple, celle-là elle est remplie à fond, celle-là elle est pas remplie à fond. Ici, vous devez remplir juste les petits points, donc chaque point de carte à remplir. Donc là, je vous avais dit c'était niveau 100. Ici, vous devez avoir des postérités, donc c'est les exploits de la carrière. Par exemple, genre faire un top 1 avec Thor, c'est un exploit de la carrière et ça vous donne un point. Ici, vous devez faire des défis hebdomadaires. Donc ça, c'est les défis rapides. Ah non, c'est pas ça. C'est les défis de semaine, semaine 1, semaine 2, etc. Ici, c'est pièces XP dorées et violettes. Ici, c'est les pièces XP bleues. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer où les avoir, sauf si, je sais pas, on verra. Ici, c'est les pièces XP vertes. Là, vous devez extorquer des adversaires ou même des bots. Là, vous devez faire un kill avec le nouveau piège. C'est un peu compliqué, mais bon, vous allez en foire d'empoigne et puis vous débrouillez. Coup de main, vous devez être propulsé par une main des sentinelles. Donc, c'est dans le nouveau spawn, au milieu de la carte. Il y a plein de robots géants. Dans leurs mains, il y a des geysers. Vous volez avec, et puis voilà. Ici, vous devez faire un kill avec l'arme de Tony Stark. Donc, c'est où il y a les 4 avions. Quand vous tuez un bot, vous avez l'arme. Vous devez faire un kill avec. Ensuite, vous devez remercier les chauffeurs de bus. Enfin, le chauffeur de bus dans une game. Donc, ceux qui savent pas comment faire, vous dansez tout simplement dans le bus. Covoiturage, vous devez faire un kill en passager dans la même voiture qu'un ennemi. Donc, quand un ennemi roule, vous rentrez dans sa voiture et vous le tuez. Et ça vous fera cette carte. Et pour la dernière, vous devez parcourir bah, plusieurs mètres avec une voiture ou même, je crois, un avion ou peu importe, mais avec des passagers dedans. Du coup, voilà pour les 55 cartes. Il y en aura peut-être qui seront rajoutées dans les prochaines mises à jour, dans les prochaines saisons, les semaines plutôt, parce que des fois, ils rajoutent des cartes. Mais en tout cas, voilà pour le début. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, les défis rapides, j'ai oublié. C'est ça, regardez, juste à gauche. Tout ça, c'est les défis rapides. Dès que vous en finissez un, il y en a un nouveau qui apparaît. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur et un SKU dans la boutique. Ciao!